Wesh les potos, j'organise un Master Kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300 euros, ce qui équivaut à plus ou moins 40 000 V-Bucks les potos. Pour y participer, il faudra être là soit l'après-midi à 17h ou soit le soir à 22h. Toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Pour ne louper aucune de mes vidéos, faudra liker mes vidéos, faudra commenter. Et surtout, le plus important, les potos, faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le Master Kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soarkoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale sur la saison 4 à propos du pass de combat. Donc je vais vous faire découvrir tout ce que vous pouvez gagner dans le pass de combat. Donc c'est parti, alors pour le pass de combat, pour ceux qui l'achètent, ça vous coûtera 950 V-Bucks. Mais d'abord je vais parler du palier gratuit. Donc en palier gratuit vous avez un défi de départ. Donc les défis de départ c'est tout simplement 7 défis qui se trouvent ici. Donc si vous voulez les lire, je vous laisse les lire, vous avez juste à mettre pause. Alors ensuite, vous allez débloquer plusieurs petits trucs dans le truc gratuit. Donc des émoticônes, des sacs à dos, un sac à dos juste ici. Donc voilà. Ensuite, ben, d'autres émoticônes, donc un émoticône ange, 100 V-Bucks, encore un autre émoticône, ben, un travail d'équipe, une danse What the Fuck qui avait été présentée sur la Boogie Down, donc d'un jeune qui avait fait une danse comme ça, ben, ils l'ont reprise. Alors, vous aurez aussi des écrans de chargement. Vous avez encore 100 V-Bucks, donc ça vous fait 200 V-Bucks. Encore une émoticône, encore une autre émoticône. Vous allez avoir une pioche en forme de bonbon. Vous allez avoir encore une émoticône, une autre émoticône respect. Ensuite, vous allez plus rien débloquer, je pense. Ouais, je pense que c'est tout ce que vous allez débloquer en gratuit, voilà. Alors, pour ceux qui achètent le palier de la saison 4, ben là, vous allez obtenir plusieurs personnages dès le début. Donc vous allez obtenir ce personnage là Carburo et ce personnage là le Faucon. Donc voilà, ils sont rien qu'en achetant 950 V-Bucks, vous avez 3500 de V-Bucks de skin quoi. Donc offert directement. Ensuite, ben, pour ceux qui ont acheté le pass de la saison 3, vous avez 5 paliers gratuits offerts. Vous avez bien sûr les défis de pass de combat de toutes les semaines, donc de 1 à 10 semaines qui viendront ben, par semaine tout simplement. Donc il faut savoir aussi que les défis de la semaine sont maintenant les mardis. Donc regardez, dans 7 jours, donc mardi prochain, il y aura la semaine 2. Donc à la place d'être jeudi, ce sera le mardi maintenant. Donc voilà, ils ont changé les jours. Alors vous allez bien sûr être remboursé en V-Bucks. Je pense que vous allez obtenir 1000 V-Bucks de remboursement. Je ne suis pas sûr, faudrait calculer. Vous allez bien sûr avoir des émoticônes, des écrans de chargement, une nouvelle pioche. Encore des émoticônes, des XP personnels et pour vos amis. Encore, ça c'est un nouveau truc, c'est l'aérosol. Donc vous allez pouvoir taguer sur les murs l'émoticône qui est là. Vous allez gagner des V-Bucks comme je vous ai dit, d'autres écrans de chargement, des émotes. Encore un truc à taguer, un parapluie, donc un planeur en forme de bonbon. Ensuite encore des émoticônes, des XP personnels, des émoticônes, des V-Bucks, encore des traînées, enfin plutôt des traînées de fumée, des nouvelles traînées de fumée, franchement elles sont vraiment pas mal, des émoticônes, encore là encore un truc d'aérosol, donc des tags. Alors le skin de graffeuse, franchement elle est trop stylée, regardez-moi ça, son cul dans son putain de training, franchement c'est trop de la tuerie frère, tu vois, c'est vraiment le truc qui m'a choqué le plus. Parce que lui va trop bien ce training, franchement, trop stylé. Encore des émotes, des XP pour vos amis, émoticônes, V-Bucks. Alors, écran de chargement, encore un tag, donc un tag d'une victime. Alors, vous allez avoir aussi 1000 XP. Vous allez avoir aussi des popcorns, si jamais vous avez une petite faim entre deux kills, ben, vous allez pouvoir manger des popcorns, on ne sait jamais. Alors, vous avez aussi encore des nouvelles émoticônes, des XP personnels. Encore un nouveau tag, cercle, donc 0 cercle, voilà. Encore des V-Bucks, une traînée de fumée, encore vraiment what the fuck, donc ça fait vraiment une peinture à la bombe, voilà. Encore 1000 XP de bonus, un tag en forme de coffre, enfin en image de coffre, un nouveau planeur en forme de la pioche, hein, elle ressemble un peu à la pioche, donc c'est un nouveau planeur. Ensuite encore des émoticônes, des XP pour vos amis, un nouveau tag qui est tout simplement une flèche, 100 V-Bucks, un écran de chargement, 1000 XP, des émoticônes, encore un nouveau personnage en forme de bonbon, hein, voilà, donc Zoé elle s'appelle,
Elle est pas mal, elle est pas mal, j'aime bien. Franchement, assez stylé avec ses petites jupes et ses petites couettes là sur sa tête. Ça fait un peu penser à la femme de Joker. Alors voilà, encore une nouvelle, un nouveau tag avec, on dirait bah, tout simplement une promenade royale comme il est marqué. Donc un pingouin qui promène son chat, pourquoi pas. Alors des XP personnels, une nouvelle traînée de fumée, donc de foudre, franchement, elle est vraiment stylée aussi. 100 V-Bug encore, des émoticônes, 1000 XP. Encore un graffiti, donc franchement trop stylé, abstrait, donc on dirait une petite sauterelle avec des ailes, franchement vraiment pas mal. Un nouveau sac à dos en forme de bonbon, donc candy, réserve de sucre. Encore un nouveau tag en buisson, MDR, do it, fais-le. Alors 5 XP pour vos amis, une nouvelle icône, des V-Bugs, encore un écran de chargement gang de l'aérosol, 1000 XP. Tout simplement encore des tags avec des lamas et une lune, vraiment pas mal non plus. Une nouvelle danse, un peu un what the fuck comme ça, je sais pas trop ce qu'il fait comme danse, mais ok, pourquoi pas. Alors une nouvelle émoticône crabe, 10 XP personnel, enfin 10% d'XP personnel en plus. Un graffiti en forme de fenêtre, 100 V-Bug encore, des traînées de fumée en forme de cœur. Une icône de bannière éclair, un tag en forme de attention au piège, voilà, danger. Un nouveau personnage qui ressemble un peu à Wonder Woman, franchement elle est vraiment sexy, vraiment pas mal du tout, j'adore sa coupe de cheveux, c'est vraiment stylé. En plus elle ressemble un petit peu à Wonder Woman, donc je trouve ça encore plus stylé. Alors encore un graffiti, mais le graffiti du corbeau vraiment trop stylé. Dès que je le débloque, je taggerai ce graffiti partout. 5 XP pour vos amis, de supplémentaires, donc 5% d'XP supplémentaires. Une émoticône enragée de chien enragé, 100 V-Bug, encore un écran de chargement avec Zoé en fond, donc voilà. Une icône de bannière, encore un tag en forme de lèvres, voilà, de bisous. Un nouveau planeur assez what the fuck comme ça, assez extraterrestre, donc futuriste de ouf, donc Intrépide qui s'appelle. Ensuite, un nouveau tag en forme de masque, 10 XP personnel de plus supplémentaires pour vous. Une icône de bannière, 100 V-Bug encore. Alors là, la traînée de contentation, elle est trop stylée. C'est une étoile filante, donc vous allez atterrir en forme de météorite, franchement trop stylé. Un nouvel écran de chargement, donc mitrailleur fluo. Donc le petit nounours qui est sur le type du fluo, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors un nouveau graffiti de la graffeuse, donc un graffiti de la graffeuse elle-même, donc avec sa casquette, ses cheveux roses. Un nouveau combattant qui sera le chef de section, donc qui fera partie de la force avancée, donc comme le premier que je vous ai montré. Vraiment stylé aussi avec sa coupe, franchement trop la classe. Ensuite, une nouvelle icône de bannière, 5 XP pour vos amis supplémentaires, une icône de banane, 100 V-Bug, un écran de chargement en corbeau, une icône de bannière, un graffiti en forme de tunnel, une nouvelle danse groovy, donc avec cette danse vous allez pouvoir, je pense, bien draguer, surtout avec ses collants, regardez-moi se déhancher de ouf quoi, putain, what the fuck man, il danse trop bien ce type là, MDR. Alors 10 XP personnel supplémentaire, une émoticône célébration, 100 V-Bug, un tag en agent secret, et le dernier nouveau skin qui se débloquera au palier 100, c'est le skin Omega, donc voilà, c'est comme le skin qu'on a eu au début, sauf qu'il est beaucoup plus stylé, je trouve que les couleurs lui vont vraiment mieux, en noir et gris comme ça, et avec les petites lignes rouges là comme ça, c'est trop stylé. Et bien sûr, vous allez débloquer le défi Omega qui vous donnera sûrement un planeur, une pioche ou un truc supplémentaire pour justement cette tenue Omega qui ira super bien avec. Donc le défi, on ne sait pas encore ce que c'est, non, on ne les aura pas encore, donc tant que vous ne l'avez pas débloqué, vous ne pourrez pas savoir quel défi vous devez faire pour débloquer le dernier accessoire pour Omega. Donc voilà, je vous ai présenté tous les accessoires, toutes les émoticônes, donc tous les items que vous pouvez débloquer dans la saison 4 du pass de combat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace. I'm me.